Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfumée qui devrait vous intéresser si vous aussi, vous commencez à réfléchir aux cadeaux de Noël que vous allez faire à vos proches cette année. Et comme le parfum est l'un des produits les plus offerts, je crois, pour les fêtes de fin d'année, je m'étais dit que j'allais vous faire une petite sélection de cadeaux parfumés qui devraient plaire à votre entourage. Mais le parfum, ça peut être assez casse-gueule à offrir. Par exemple, moi je déconseille à mon entourage de m'offrir du parfum pour Noël, sauf si je leur ai parlé au préalable d'une référence ou d'une marque en particulier, puisque j'ai des goûts qui sont quand même assez marqués. Mais l'idée, c'est quand même de vous renseigner au préalable auprès de vos proches s'il y a des familles d'odeurs qu'ils apprécient ou à minima des familles d'odeurs qu'ils n'apprécient pas du tout. Par exemple, moi je connais des gens qui n'aiment pas du tout la vanille, la rose ou le patchouli par exemple. Mais si vous êtes dans le flou total, ne vous inquiétez pas, je vous ai quand même concocté une sélection de produits et notamment de coffrets qui sont plutôt bien fichus et qui devraient plaire quand même au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une sélection de cadeaux abordables entre 10 et 60 euros. Et la semaine prochaine ou la semaine d'après, je vous ferai une sélection un petit peu plus luxe, voire très luxe, avec des cadeaux d'exception qui vont, je crois, jusqu'à 300 euros. Donc si vous ne voulez pas la manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Mais aujourd'hui, on se concentre sur les cadeaux abordables. C'est parti! On commence tout de suite avec les coffrets cadeaux de la marque Adopt. Adopt, si vous suivez mes vidéos, c'est, je crois, la bonne surprise que j'ai faite en cette fin d'année, puisque ce sont des parfums petit prix que j'ai eu l'occasion de tester et de découvrir récemment. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo dédiée à la marque Adopt, et du coup, je passais en revue plusieurs de leurs parfums petit prix. Et donc, cette année, pour Noël, ils proposent plein de coffrets cadeaux qui sont plutôt bien pensés et surtout à prix tout doux, puisqu'ils démarrent à partir de 10,95€. Donc voilà, je trouve que c'est une excellente idée cadeau si par exemple vous avez un budget serré ou bien vous voulez acheter un petit cadeau en complément d'un plus gros. Et je vous ai fait une petite sélection que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il y a par exemple le coffret Madame Bonheur qui fait partie de la collaboration qui est actuellement en boutique avec les livres Monsieur Madame. Et donc ce coffret qui est prêt à être emballé, prêt à offrir, contient l'eau de parfum Madame Bonheur ainsi que le gel douche associé pour un prix de 12,95€. Et je voulais aussi vous parler d'un coffret un petit peu plus conséquent et qui met en scène l'un des parfums best-sellers de la marque, qui est Wonderful, je crois, et qui contient donc l'eau de parfum pailletée, le gel douche ainsi que le lacquer hydratant. Tout ça pour 19,95€. Donc voilà, une chouette idée cadeau à offrir pour une routine parfumée complète. Et je voulais aussi vous parler d'une idée cadeau tout petit prix chez Adopt qui coûte 10,95€, que je vais vous mettre à l'écran tout de suite, et qui contient et qui se présente en fait sous la forme d'une jolie boîte cylindrique avec une eau de parfum 30 ml ainsi qu'une crème pour les mains. Et c'est un coffret qui est décliné en plusieurs fragrances différentes, donc je vous invite à aller voir sur le site de Adopt toutes les versions disponibles. Mais voilà, c'est une chouette idée cadeau à seulement 10,95€. Et je ne sais pas vous, mais j'aime beaucoup offrir à Noël, ou bien pour d'autres occasions d'ailleurs, soit des produits pour le corps, soit des bons pour des massages, puisque j'ai l'impression que ce sont des choses qu'on pense rarement à s'offrir à soi-même. Donc voilà, je trouve ça plutôt cool d'offrir un véritable moment de détente aux gens qu'on aime. Et pour ça, il y a deux marques que j'apprécie particulièrement, à commencer par la marque Lush, que vous connaissez sûrement, et qui propose de véritables moments de détente parfumés pour soi et qui font toujours des collections de Noël très réussies. Donc voilà, je voulais vous présenter quelques boules pour le bain que je possède et qui sont donc disponibles soit à la vente à l'unité, soit dans des coffrets cadeaux à partir de 12€, je crois. Donc je vous invite à aller voir sur le site, il y a pléthore de coffrets cadeaux pour Noël et je pense qu'il y en aura forcément un qui conviendra à vos proches. Mais par exemple, je voulais vous parler d'une boule de bain qui s'appelle Sleepy Bear et qui sera parfaite pour les personnes qui n'aiment pas trop les odeurs trop fortes que l'on trouve chez Lush. Mais voilà, c'est la preuve que Lush peut faire des choses un petit peu plus subtiles et un petit peu plus naturelles, on va dire. Et d'ailleurs, c'est vraiment trop mignon. C'est un ours polaire qui a l'air de faire la sieste. Et c'est donc une boule de bain qui est parfaite pour les gens qui veulent se détendre après une longue journée de travail par exemple, puisque c'est un petit ours qui est aromatisé, qui est parfumé pardon, à la lavande pour favoriser la détente, et il y a aussi de l'avoine pour hydrater. Une autre boule de bain qui là aussi sera parfaite pour les gens qui aiment les odeurs un petit peu plus vivifiantes et pas trop gourmandes parmi celles qu'on peut retrouver chez Lush, et elle est magnifique. Pour les amateurs de paillettes, c'est vraiment parfait. C'est une boule de bain qui s'appelle Hey Hollywood et qui propose une odeur fraîche et vivifiante de menthe poivrée.
Donc voilà, une très jolie boule de bain qui ravira tous les amateurs de paillettes et aussi ceux qui apprécient les odeurs un petit peu fraîches et mentholées. Et à l'inverse, pour ceux qui adorent l'odeur des boutiques Lush et les odeurs très gourmandes et très prononcées, il y a cette boule de bain qui sera parfaite pour vous, qui s'appelle Snow Fairy Light et qui reprend l'odeur du gel douche Snow Fairy qui est édité tous les ans pour Noël, je crois, et qui a une odeur de barbe à papa, de bonbons. Donc pour tous ceux qui veulent s'évader dans un moment de détente et de gourmandise, celle-là, elle est parfaite pour vous. Et je crois qu'elle peut être utilisée en plusieurs fois puisqu'il y a donc un petit capuchon et dedans il y a aussi des perles de bain que je vais essayer de pas renverser. Donc voilà, ça peut être utilisé en plusieurs fois, mais en tout cas elles sont exactement comme le gel douche Snow Fairy qui sent le bonbon, la gourmandise et tout va bien. Donc voilà, elle est parfaite pour tous ceux qui adorent les odeurs très gourmandes et surtout l'odeur caractéristique des boutiques Lush. Et donc, comme je vous le disais, ces boules de bain sont disponibles soit dans des coffrets prêts à offrir puisqu'ils sont déjà emballés, soit disponibles à la vente à l'unité si jamais vous voulez vous faire un petit plaisir, ou si vous voulez composer vous-même votre coffret cadeau à offrir à vos proches. Et pour info, la marque Lush propose aussi des emballages cadeaux assez originaux puisqu'ils sont faits en tissu, ils sont donc réutilisables et ils sont fabriqués à base de plastique recyclé qui proviennent des anciennes bouteilles de shampoing Lush. Donc voilà, ils proposent différents motifs. Là par exemple, j'ai une jolie bichette de Noël et en tout cas ça sert du coup à emballer les cadeaux, c'est réutilisable. Donc voilà, je trouve que c'est une idée d'emballage cadeau qui est plutôt originale et surtout éco-responsable. On passe ensuite à la deuxième marque que j'apprécie particulièrement pour offrir des cadeaux parfumés pour le corps et pour la maison, et il s'agit de la marque Rituals qui propose comme tous les ans une très jolie collection de fin d'année, notamment des calendriers de l'Avent qui sont magnifiques, mais pour cette vidéo on se concentre sur les coffrets cadeaux qui commencent à partir de 20€. Donc je vais vous en montrer quelques-uns à l'écran. Il y a par exemple ce coffret qui s'appelle Calming Treat et qui contient une mousse de douche, une huile sèche pour le corps et les cheveux, une crème pour le corps et une brume pour l'oreiller au lotus blanc. Donc voilà, une odeur qui sera assez conventionnel et qui je pense plaira à beaucoup de monde. Mais sachez que si vous préférez les odeurs un petit peu plus vivifiantes, cette idée cadeau à ce prix là est aussi déclinée en d'autres senteurs de la marque Rituals. Il y a aussi ce coffret cadeau qui s'appelle Purifying Routine et qui est parfait pour parfumer à la fois le corps et la maison et qui coûte 34,90€. Celui-là contient une mousse de douche, un gommage pour le corps, une crème pour le corps ainsi qu'une bougie parfumée au romarin et à l'eucalyptus. Pour les univers parfumés, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et en tout cas, je vous conseille vraiment la mousse de douche Rituals si vous ne l'avez jamais essayé. C'est vraiment, je crois, l'un des produits les plus connus de la marque. C'est donc un gel douche qui propose une texture qui est vraiment hyper agréable et hyper intéressante puisque c'est un gel qui se transforme en une mousse qui est très dense et très compacte. Donc voilà, on peut sans tartiner le corps et qui est vraiment très parfumé, donc voilà, je trouve que ça invite vraiment à la détente sous la douche. Donc voilà, n'hésitez pas à les acheter à l'unité si les coffrets ne vous intéressent pas par exemple. Et enfin, je vous ai aussi sélectionné le coffret Serendipity qui est vraiment très très joli et qui est lui plus conséquent puisqu'il coûte 44,90€. Celui-là contient une mousse de douche, un gommage pour le corps, un savon pour les mains ainsi qu'une bougie parfumée aux notes fleuries et poudrées. Donc voilà, au niveau, comme je vous disais, au niveau des univers olfactifs, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et bien sûr, ce que je vous présente aujourd'hui chez Rituals, ce n'est qu'une petite sélection de leur collection de fin d'année. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur internet ou aller directement en boutique pour voir l'étendue des coffrets cadeaux qu'ils proposent cette année. Mais en tout cas, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les budgets. Évidemment, il fallait que je vous parle de diptyque puisque j'ai l'impression de parler de diptyque dans toutes mes vidéos, mais là pour le coup c'est vraiment très intéressant ce que je vais vous proposer puisque c'est un produit qui ne coûte pas très cher et qui je crois est pas très connu dans toute l'offre diptyque puisqu'il s'agit des parfums solides de la marque diptyque qui coûtent 50€. Donc voilà, c'est bien moins cher qu'un flacon de parfum classique et je trouve que c'est plutôt intéressant si vous cherchez une nouvelle gestuelle puisque c'est un baume qui est assez gras du coup et qui permet de se parfumer en appliquant directement le produit sur la peau. Et ce sont aussi bien sûr de très beaux objets comme c'est si bien faire diptyque. Le parfum solide est à 50€ et il est bien sûr rechargeable et le lot de deux recharges coûte 34€. Donc voilà, c'est un prix qui est quand même très intéressant pour un parfum diptyque. Et il y a 6 références de parfums solides qui sont tirés des parfums best-sellers de la marque. Il y a par exemple le parfum Dawson que je possède, vous savez que je l'apprécie beaucoup. C'est un parfum aux fleurs blanches qui est très féminin et très sensuel. Mais il y a aussi Philosikos qui est très connu dans la marque aussi, il y a l'eau rose, l'eau capitale, et voilà, je trouve que c'est une chouette idée cadeau à offrir ou à s'offrir.
Et enfin, je voulais vous parler d'une idée cadeau que j'ai trouvée cette fois-ci chez Sephora et qui sera vraiment parfaite pour toutes les personnes de votre entourage qui achètent leurs parfums habituellement en grand magasin ou en parfumerie et qui s'intéressent davantage aux marques qui sont plus connues et plus installées. C'est un set découverte de la gamme Sephora Favorites qui coûte 57€. Et donc pour 57€, vous trouverez 4 miniatures des parfums fleuris, je crois, les plus connus et les plus iconiques de la parfumerie. Il y a par exemple Flower by Kenzo, Pure Musk de Narciso Rodriguez, Flower Bomb de Victor & Rolf et le parfum signature de Chloé. Et en plus de ces 4 miniatures, vous trouverez aussi un bon à échanger pour le flacon 30ml de son choix. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment très bien pensé pour inviter à la découverte et pour que la personne s'achète ensuite le parfum qu'elle préfère parmi toutes ses sélections. Donc voilà, aucun faux pas possible. Et je trouve que c'est une très bonne idée cadeau pour tous ceux qui préfèrent les marques grand public. Voilà pour ma sélection d'idées cadeaux parfumés à moins de 60€. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les idées cadeaux que vous avez déjà repérées, soit pour vous, soit pour vos proches en cette fin d'année. Rendez-vous du coup la semaine prochaine pour une sélection de cadeaux parfumés beaucoup plus luxe, qui j'espère vous fera rêver, donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.